premier dans Kamegen. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Faut bosser. Faya. On peut souffler, on chante soulé. Un coup de sou, on chante comblé. Un tapin, on chante soulé. Sans pas poussi, poussi, on chante soulé. Peut-être bien, on chante. Assez-vous! Attends, assez-vous! Tu lèves pas les nerfs sous les jambes. Assois-toi à la mouffe. On t'a supplié que tu es qui? On est obligé de te supplier. Tu es quoi? Tu prends la femme de quelqu'un, tu la tues, tu te mets à genoux. Ne vous rendez pas justice. Tu es qui? Tu n'es rien. Ne vous rendez pas justice. Tu es qui? Tu n'es rien, tu as la chefferie, tu n'es rien. Ma femme, toi, je suis pas par rapport à quoi? Tu te mets à genoux. Tu es sûr que même si on me laisse avec les mêmes, coucou, m'a excusé, moi. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Tu trouves au top. Monsieur ne voulez pas. Tu tapes pas, tue-moi. Monsieur ne voulez pas vous. Tue-moi. Qui va vous tuer? Qui va vous tuer? Monsieur ne voulez pas vous lever. Je vais vous. Regardez mes mains. J'ai demandé qu'on parte le notifier. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Le cadre me c'est lui qui vous a frappé. Il veut me tuer en route. Mais monsieur, venez d'appeler. Laissez-vous. Je vous ai touché. Laissez-vous. Restez-vous. Il a l'âge de votre parent. Vous faites comment que j'en veux qu'on vienne vous appeler. Vous le torturez. Chef, je ne l'ai pas touché. Je vous ai la vie. Donc il se prend pour rien. Donc, il se prend pour rien. Tu as vu ce qui calme. C'est mon petit qui m'a... Ça va. Je vois la vie. Il allait toucher. Moi, il a fourré. Ça va, ça va. C'est tout ça que tu vas... On ne peut pas le prendre ici. Vous savez où vous êtes. Bon, ne tirons pas le nom à l'âge. Où est sa femme? Où est sa femme? Où est la mère des enfants? Est-ce que vous savez que la femme a laissé un enfant, un petit nouveau-né, à la maison? Tu prends la femme de quelqu'un, mais quand tu gardes, tu sais ce que c'est? Je n'ai pas pris la femme de quelqu'un. Maintenant, il y est. Monsieur Nepo, vous dites que vous avez vu votre femme chez lui, n'est-ce pas? J'ai entendu laver les sous-vêtements. Ce n'est même pas que j'ai vu, ça me dérange. J'ai entendu laver les sous-vêtements de quelqu'un qui est né dans les herbes, qui se puge avec les herbes, qui se pomme avec les herbes. Qui dort comme ça, tous ses lèvres, c'est dans les herbes. Ça va. Il dit avoir vu sa femme chez vous. Et vous niez qu'elle n'est pas chez vous. Je ne suis pas la seule. Vous voulez qu'on passe à la vitesse supérieure? Je ne suis pas la seule. Il y a Alice qui est ma voisine. Oui. Elle confirme l'avoir vu aussi. D'avoir vu ma femme. Moi, je suis allé, il m'a dit que la femme n'est pas dedans. C'est lui qui m'a bloqué. Oui. Quand il me bloque, la porte a fait comme ça. J'ai vu la femme en train de laver les cheveux. Vous faites ça dans ce quartier? Et que si ça commence sur la femme de défaut, demain c'est ma petite 15 ans qui est là que tu vas ramasser. Mon frère, on règle ce problème là. Où est-ce que la femme de monsieur de frère? Chef, avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui. Avant de dire quoi que ce soit, il faudrait que d'abord qu'il arrête de coller les tickets qu'il a envie de coller sur moi. Il dit qu'il fume les ailes. Il m'a vu fumer les ailes un jour. Tu m'as vu fumer les ailes. Non, ça va. Tu vas prouver là que je fume les ailes. Tu m'as vu fumer quelque chose. Laissons ça, laissons. Tu m'as vu fumer quelque chose. Tu m'as vu fumer. Monsieur! Monsieur! Non, chef, c'est qui la gueule? Monsieur! Ce que vous faites chez moi, là, vous allez supporter ça? Vous le cravatez? Asseyez-vous! Asseyez-vous! C'est qui ça? Ça, bon, voilà la confirmation que tu fumes vraiment l'air. Sinon, quelqu'un est censé me faire comment pour cravater un adulte devant moi? Non seulement il clignote avec le bois sur mon œil. Tu imagines, tu fais ça? Ça me pèse l'œil. Ça va, mais où? Tout ça, c'est pour la chèvre que j'ai là. Y'a un médecin! Tu fais le bois comme ça devant mon nez! Sa femme est où? Sa femme est où? J'ai pas sa femme est où? Sa femme est où? Elle est où? Il a vu! Est-ce qu'il a vu? Sa femme est où? C'est pas moi, je suis innocent! C'est qui? Si c'est pas toi, c'est quelqu'un, c'est qui? J'ai bien dit que moi, il ne veut pas me retrouver dans l'histoire-ci! Moi, je me vois si maintenant que je me retrouve dans une histoire que moi je connais. Tu n'as rien retrouvé, tu es noyé dans ça. Et si tu ne trouves pas une solution à ça maintenant, là, c'est ta tête qui va tomber. Donc, dénonce tes complices. Elle est où? Écoute comment mon couchot. Tu vous avez les glaçons? Non, ça va. On va gérer ça après. Ça va. Tu vas te démontrer que je suis un ancien diabétique. Non, c'est lui qui fume les herbes. Tu fous forcément. Ça va. Ce n'était pas pour te donner raison. Elle est où? Je ne savais pas. Non, reste assis. Elle est où?
En fait, moi, je ne suis qu'un artiste. Moi, je ne connais rien dans l'histoire. Elle, il a parlé de quelqu'un que sa femme est en train de laver mes sous-vêtements. C'était pas ça. C'était pas tes sous-vêtements quand même. Ce sont pas mes sous-vêtements. Mais elle lavait quand même quelque chose. Je ne sais pas moi. Moi, j'ai bien lavé. Ouais, monsieur, est-ce que oui ou non, sa femme est chez toi? Sa femme. Elle est chez toi. Elle n'est pas là pour moi, chef. Là, tu vas te déchausser maintenant. Parce que là, c'est le commissariat qui va venir te prendre. Bah, tu ne peux pas faire que tu. Non, monsieur, il faut laisser ses chaussures. Lui-même est libre de pouvoir se déchausser. Tu touches la chaussure, tu vas payer ça. Tu vas payer, tu connais qui m'a donné la chaussure jusqu'à tu touches. Donc, tu peux payer la chaussure que donc, tu touches ça. En conclusion, monsieur. Donc, vous vous déchaussez. Monsieur, en conclusion, la femme est chez vous. Elle est chez vous, n'est-ce pas? C'est bien, donnez-moi mon téléphone là. Elle fait quoi chez vous? Vous faites quoi pour ce que c'est? La mère de l'enfant des enfants de quelqu'un chez eux. C'est pas moi. C'est qui? C'est qui? T'enlèves tes chaussures, c'est une chauffe. C'est qui? Chef, je suis resté. Je dis que si tu as que de travailler. Oui. Et? Et? Il a insisté, fatigué, il a refusé. Il qui? Je suis le ciel de qui? Il qui? Vous l'appelez. Chef, pardon. Quand tu parles, tu ne veux pas parler. Si tu connais que la voix du chef porte, quand je vais seulement dire que j'ai attrapé un détournement et tout. Mineur, mineur. Détournement des mineurs. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de tout. Sa femme est sa petite soeur. C'est ma femme qui a recoupé l'âge pour un concours. J'ai réduit, elle est arrivée à 22 ans. Oui. Comme elle venait d'entamer un concours, oui. On a réduit à 16 ans. Ils ont 15 ans comme ça. Ce que vous voulez, vous êtes un prisonnier, monsieur Nifou. Un enfant de 15 ans fait quoi chez vous? Vous connaissez votre âge? J'ai dit qu'elle avait vers la 22. Là n'est pas le débat. Monsieur, vous dites que la femme est venue et puis. Mais laissez mes chaussures sur place, c'est quoi? La femme est venue et puis quoi? Quand elle a insisté, je lui ai dit ceci. Oui. La femme d'autrui, on ne touche pas à la femme d'autrui. Oui. Il m'a dit que non, ça ne me regarde pas. Oui. Et qu'il a que c'est une question d'habitude, qu'il a souvent l'habitude de faire ça. Moi j'ai refusé, comme c'est mon frère, je ne pouvais rien. Donc la femme dort chez toi? Sur ton lit? Pas sur mon lit. J'ai compris un truc. Oui. Le truc, c'est que, apparemment, que son, qui c'est ou c'est qui? Oui. Qui a gardé ma femme chez soi? Chez moi. Chez lui. Oui. La vérité, c'est qu'un chef. Ah oui, mon frère. Oui. Il s'appelle Opim. Opim? Oui, c'est Opim. C'est Opim qui a fait ça. Il est venu garder, c'est lui, je ne savais même pas que c'est. Vous prenez la femme de quelqu'un, vous jouez le ballon avec. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, c'est lui. Et comme un célèbre physicien avait chanté que la femme de tuer est sucrée là, c'est sûr que tu as goûté. Jamais. Tu es sûr que tu n'as pas tué les moustiques sur la fille là hein? Tu n'as pas tué les moustiques sur elle. Les moustiques n'entrent même pas là-bas. On va vérifier ça. Et si on constate seulement que tu as tué le moustique sur elle, tu vas voir. Monsieur Defo, ça va, calmez-vous. Vous voyez que c'est. On parle doucement. Hein. C'est déjà bien comme il avoue. Que sa femme, la femme est chez vous, chez lui. C'est mon frère. Oui. C'est mon frère Opim. Il est où? Moi. Opim, je ne connais même pas où il se trouve actuellement, chef. C'est quoi? Son numéro. Oui. Il faut qu'on convoque cet Opim. Il va venir au Pimpel. Il Opim les femmes des gens ici. Non, mais sur mon frère là, il est très dangereux. Dangereux? Et ça, je vais aller. J'ai l'humilité, hein. Ne me voyez pas ici comme ça. J'ai l'humilité. L'humilité. C'est les gens de l'Assemblée nationale. Donc vous croyez seulement qu'il est ici au quartier. Ça, c'est dans l'Assemblée. Donc vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle une munition. Ça, c'est l'Assemblée non nationale. Mets le numéro. Mets le numéro. Opim va venir m'expliquer comment est-ce qu'il peut faire pour prendre la femme de quelqu'un. Je vais me faire l'erreur. Tu veux me parler de ça, c'est le Sénat. Les gens qui sont en collaboration avec le Sénat. Non, moi, je suis pas le Sénat. Je suis à l'administration territoriale. C'est pas le Sénat. Vous voulez prendre le numéro de la mère? Oui, mets le numéro. À moi. Mets le dernier chiffre. J'avais dit à Opim que la. Est-ce que lui-même le chef appelle? Laisse. Donne-moi le. Monsieur, vous voulez que je vous frappe ça sur la tête? Oh, vraiment. Je ne dis pas que c'est moi. Ne dis pas que c'est moi qui ai donné. Oui, ça va, je ne veux pas dire que c'est toi. Ne dis même pas que ton frère ici a la chiffrée. Oui, Opim, comment tu vas, mon frère? Ça fait un bail. J'ai ton paquet à la maison depuis, tu ne viens pas chercher comment, non, Opim? C'est le chef. Oui, j'ai ton paquet. C'est là, viens prendre. La personne, non, la personne a dit que je te remets ça en main propre, que je ne passe pas par personne interposée. Viens prendre, ton paquet est là.
D'accord, tu n'es pas loin. Oui, viens, entre là, je vais dire. Entre. Entre. Attends, il arrive ici. Vous allez me sentir. C'est là que vous allez comprendre que même être chef de quartier, là, on apprend ça à l'école. Chef, comme il va arriver, il peut déjà partir. Je finis nos jeux. Non, tu es le complice, mon frère. Tu es le complice. Hein? C'est parce que vous avez perçu la femme là. Pas nous, on n'a rien fait. C'est chez toi qu'on gardait la marchandise, monsieur. Chef, ma pire. C'est quoi? Ça doit être le reste d'argent du dernier client que j'avais démarché là. Mais ça fait quand même longtemps qu'il m'a pas appelé. Quand il s'agit d'argent. Essaye de voir comment je peux partir rapide. Quand il s'agit d'argent, il faut que je me débrouille quand même. Essaye de voir comment je peux partir. Regarde où il me met. Moi, j'avais refusé l'histoire-ci. Tu as refusé, il a insisté. Il a dit que la femme de toi ne touche pas. Ma femme qui est devenue comme la les arachides du thé. Toi aussi. Même les cuidants ne se partagent pas. Mais ma femme est devenue dans vous. Allô, Père Moussaga? Oui. Pardon, excuse-moi. Ça plaît notre tenue. Viens seulement. Retrouve-moi à la chefferie avec l'enfant. Ok. Viens à la chefferie. Il reste comme ça l'enfant chez mon monsieur-ci. Ouais. Il bloque son activité. Ça là. Vous êtes en train de faire toute activité sexuelle avec ma femme. Ouais. Vous qui? Les enfants, maintenant, vous ne savez pas. C'est qui? C'est moi. Entrez. C'est qui? Ouvrez qui? C'est Mami Jo. Mami Jo, c'est quel nom ça? C'est qui? C'est ma belle-sœur. C'est un nom très diplomatique. Entrez. Bonsoir, sa majesté. Oui, vous cherchez quelqu'un? C'est ma belle-sœur, comme je vous ai dit. Ah, c'est la sœur de la, votre dame? De ma femme. D'accord. Ah, le monsieur qui garde ma femme depuis. Donc c'est toi qui gardes ma sœur depuis chez vous là. Donc c'est toi qui bidontolise ma sœur. Je vais te mettre dans un sens. Je comprends rien. Bidontoliser comment? On bidontolise que comment? Tu es en train de miscobaliser la femme. Madame, passez-nous de certaines expressions à la chefferie ici. Votre bidon et votre quoi là, mettez-vous ici. Passe-toi toi, oui. Bien sûr. Allez, là. Dans un sens. On est en train de résoudre un problème, vous venez avec les bidons, vous dérangez les gens. Okay. Tu vois, les foudres que tu attires sur toi, non? Chef, c'est pas moi. Ici. Je vais laisser l'âge des dites pour pouvoir te boxer bien. Chef, pardon. Asseyez-vous, attendez, asseyez-vous. Chef, pardon. Tu lèves pas les nerfs sous les jambes. Asseyez-vous, pas la mouf, vous n'avez pas le même tapis. On t'a supplié que tu es qui? On est obligé de te supplier, tu crois? Asseyez-vous, défaut. Tu prends la femme de quelqu'un, tu te mets à genoux. Ne vous rendez pas juste. Tu qui? Tu ne viens. Ne vous rendez pas. Tu viens, tu as la chefferie, tu ne viens. Ma femme touche sur toi par rapport à quoi? Ça, monsieur, tu te mets à genoux. Monsieur Nevo. Tu es sûr que même si on me laisse avec les mêmes, Koukou m'a excusé moi. Non, je comprends votre colère. Je comprends votre colère. Mais calmez-vous. Garde la chefferie. Ne vous rendez pas justice. Pardon. Venez vous replacer vous ici, monsieur Nevo. Un malade. Et ne le touchez plus. Mettez-vous ici là, monsieur Nevo. Tu vois, non? Tu vois? Tout ce qu'il fait là maintenant, il a raison à un moment. Parce que quand il se place là, il imagine les positions que vous avez prises avec sa femme. Et je suis sûr que tu as pris ton frère aussi. Je vais vous traiter ici. Chef, j'ai rien fait. Oui. C'est parce que le jour là, je vous jure, chef. Tu as vraiment rien fait, t'es pas chez toi, non. Maintenant, tu n'as rien fait. Il y a une troisième unité derrière. Il veut couler les larmes du crocodile. Tu as avalé un mado. Tu as avalé un mado. Les enfants de ce quartier sont devenus dangereux. Le père, c'est mon frère au pire. J'en ai refusé. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir. Ça va, calmez-vous. On attend au paiement en question, il arrive. Parce que c'est lui le cerveau de ce gang. Oh, prends ton téléphone. Prends. Là, on va maintenant faire les choses. On constitue les pièces du puzzle. Non, ne me donne pas. Compose le numéro de votre chérie. Défouille-toi. Tu dis que. Qu'elle te retrouve le plus tôt possible. Appelle-la pas les noms que tu l'appelles souvent quand on n'est pas là, quand Défaut n'est pas là. Monsieur Défaut, vous ne vous fâchez pas parce qu'on ne sait jamais. Il faut faire la mise en scène pour qu'elle réussisse à venir. Qu'on veut là qu'elle arrive à la chefferie. Bon, si tu n'as même pas l'idée, laisse-le prendre l'idée. Dis-lui que le chef a tué le bœuf.
Tu vois, non? Il a donné la viande à tout le monde. Maintenant, tu as ta part à main et tu ne veux pas sortir avec. Quel est le plan de rentrer bouillir ça le soir pour manger? Fais ça. Fais ça maintenant. Et tu mets ton main libre. Tu peux dire là que tu as appelé alors que tu n'as pas appelé. Vas-y, vas-y, maintenant. Mon petit, la fête est en train de prendre notre tournée. Apporte mon chapeau rouge là. Parce que là, il faut que les esprits se concentrent. Ça devient plus sérieux. Mets la main. Les esprits doivent se concentrer. Allô, Davina. C'est comment? Oui, trouve-moi à la chefferie maintenant. Le chef a tué un bœuf. Et il faudrait que tu prennes ta part. Ok, j'arrive alors. D'accord, il faut que tu nous fasses à manger tout à l'heure. Donc fais vite, dépêche. Maintenant c'est comme ça, et pour rien d'un bourdin. Maintenant c'est comme ça, on ne fait même plus les plans. Maintenant c'est comme ça, toi de nez en répondant. On a grandi déjà, on va sauf que mourir des temps. Mollé, yoga yaga, mollé, ne me tente pas mollé. Yoga yaga, oh ouais. Royal Luxe Meubles, leader incontesté de l'ameublement en Afrique centrale, vous présente sa cuisine moderne, qui est résistant aux rayures, à l'abrasion, à la corrosion et est facile à nettoyer. Elle est fabriquée de panneaux mélaminés avec une finition en acrylique haute brillance, granit naturel et des poignées en acier.